Bonjour, je m'appelle Didier Martineau, je suis à la retraite à Saint-Malo et je suis bénévole au centre des bénévoles de Saint-Malo, dirigé par Evelyne Claire. Et j'ai, grâce au bénévolat, j'ai pu être bénévole au festival Étonnant Voyageur. J'ai beaucoup de chance, je remercie Étonnant Voyageur. J'ai beaucoup de chance parce qu'ils m'ont nommé assistant de plateau dédié aux poésies. Et là, je dois assurer le bon fonctionnement des entretiens entre l'animateur et l'auteur. Même le titre « Étonnant voyageur » me fascine. Je me sens un petit peu acteur de « Étonnant voyageur » parce que tous mes déplacements professionnels, aussi bien en Asie, en Afrique noire qu'en Polynésie, j'ai énormément de souvenirs enfouis en moi. Et la chance que l'on a « Étonnant voyageur » ici, c'est que je peux rencontrer des auteurs qui, à travers leurs livres littéraires, relatent des voyages, des rêves, des réalités. Et je me sens, c'est un petit peu triste parce que je ne peux pas vous les faire partager, mais je suis fier de participer à ce grand festival littéraire. Vous savez, j'ai une vraie fascination du monde littéraire. L'imagination créatrice des auteurs, leur engagement entre rêve et réalité. Cette liberté d'écrire, des mots qui deviennent des traces de ce qui n'est plus, des combats, des projets de solidarité. C'est la construction d'une histoire, d'un combat, d'un projet de solidarité. Ils ont pu exprimer tout ce que je ressens moi au fond de moi-même et que je ne pourrai jamais transmettre. Je le garderai pour moi au fond de moi-même.